Salut, bienvenue sur les tutos bricots de Juvelio, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui et je tenais à faire un petit coucou en particulier à mes abonnés. Ça me fait très plaisir que vous continuez à me regarder et de plus en plus à me soutenir. Donc n'hésitez pas à liker comme d'habitude et à partager la vidéo si celle-ci-là vous a plu comme d'habitude. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment changer un robinet de jardin. Si vous êtes un jour confronté à une fuite sur votre robinet de jardin, cette vidéo pourra vous être utile. On va voir comment refaire, donc comment on va démonter le robinet, donc les étapes, refaire le nouveau joint avec une petite particularité, c'est qu'aujourd'hui je n'ai pas utilisé de la filasse ni du téflon, alors c'est une sorte de téflon mais sous forme de ficelle, encore plus facile à mettre en place. On va remettre le robinet et puis on fera un petit débrief à la fin de la vidéo. Donc tout de suite, on se retrouve sur le lieu du crime. Donc voilà, on se retrouve sur les lieux du crime et on va donc commencer avec le nouveau donc robinet de jardin. On va commencer par faire le joint donc d'étanchéité. Alors, avec ce système, donc avec ce produit-là, cette sorte de téflon, il faudra compter environ 2 mètres de ruban. Donc, hop, tour, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, allez, et 40. Hop. On a fait 40 tours, on le coupe, je l'ai quand même bien tendu, hein. 40 tours, mais il faut le tendre. Hein. Donc voilà, le joint est tip top. Maintenant, je vais faire un petit zoom, on va démonter l'ancien robinet. Alors, hop. C'est pas mal. Donc, alors est-ce que je vais réussir à le desserrer? C'est anciennement donc un joint en téflon et le problème c'est que le robinet fuyait à ce niveau-là, au niveau de la liaison. Eh bien, il se dessert à l'endroit. Hop, et ben il était bien bloqué, je vous le dis. C'était un joint en filasse. Par contre, ce que j'ai oublié de vous dire, bien entendu, juste avant de couper l'eau, enfin juste avant de desserrer le robinet, on coupe l'eau. Hop, c'était un ancien joint, donc en filasse. Là maintenant, qu'on avait fait le nouveau joint sur le robinet, on va le resserrer. Alors on peut prendre une pince multiprise ou une clé à molette. Hop, on va le mettre dans le bon sens et ça sera fini.
Et là, il est droit. Tant qu'on y est, je récupère l'ancien raccord type Gardena. Hop. Ce filetage là, c'est toujours du 20-27 du 3/4. Il arrive quelquefois que ce soit du 26-34, mais c'est vraiment beaucoup 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 plus gros et beaucoup plus rare. Donc voilà, on a fait notre joint en téflon, donc en fil téflon. Hop, on peut retirer un petit peu l'excédent pour faire quelque chose de propre. Voilà. Voilà, voilà. Et il est bien droit par rapport au mur.